Moi, je demande tout pour Marie Saint-Thieu. Je vais l'expliquer nous rapidement en quelques minutes. Ouais. Son situation vraiment triste. Moi, je connais et invité nous à attendre. Moi, je vais aller expliquer au Marie. Il y a des centaines et des milliers d'Haïtiens qui quittent le pays là, pour aller chercher la vie mieux. Il a cherché musette là dans l'autre pays. Il a cherché son locté. Il a besoin de la vie mieux. Évidemment, nous pas oublier que la première vague de migrants haïtiens qui pourraient aller aux États-Unis était commencée dans les années 50 avec l'élection de Papa Doc. François Duval. Vers les années 60, la classe moyenne urbaine n'a pas fui violence à répression accrue du régime Papadocla. Et parmi le groupe Mounsao, il y a des médecins, des professeurs, des intellectuels, des mondes qui ont fait résistance par rapport à Duvalier, qui ont été obligés de prendre Fongeant. Ils ont jeté au quitté pays. Et malgré misère, il y a un peu de monde qui n'est pas capable, qui était obligé de continuer à aller pendant la période démocratique là parce qu'ils n'ont pas capable de vivre. Je dis là, c'est avec David Diou, l'âme meurtrie, que je vais expliquer nous, parcours Marco, de un groupe de migrants haïtiens. Qui passe misère, qui risque vie. Mais vraiment, je ne vais jamais penser. Vraiment, vraiment, je ne vais jamais penser que un être humain n'est qu'à accepter passer toute misère ça yo, pour aller derrière un rêve que le pas connaît. La cherchons un terme meilleur, la cherchons un terme d'asile, que d'odile. Et puis il prend risque, on va l'expliquer. Donc, il y a ici qui prend avion, nous te voyons en ligne dans l'aéroport, il y a pas Chili. Le 2 février 2018, Patrice, Jerry et Jérémie. Jean-Chemin, Pascal, le 2 février 2018, à bord d'un vol, un paquet haïtien allait au Chili. Les arrivés, ils commençaient à évoluer, l'autre bord, situation pas de facile. Ils ont passé 3 ans, 20 jours au Chili. Vu ces circonstances qui t'ont mené, ils ont cherché travail. Ils n'ont pas qu'à jouer travail. Ça, c'est un petit job là. C'est la misère, vous voyez. Face à humiliation, abandon de l'autorité, il y a un leader qui décidait, il dit, d'organiser un voyage vers la terre promise. C'est-à-dire vers les États-Unis d'Amérique. Il y a 64 garçons, femmes, français, actimoun, ils ont pris la route là, ils ont dit, ils ont pris les États-Unis. Le Chili étant. Première étape. Ils ont payé un bus de Chili. Pour mener la Bolivie. Chauffeur bus la prend en main entre 400 et 500 dollars américains. Il fait route là avec eux, non fait noir, il dépose sous frontière la Bolivie. Pas oublier, c'est dans la nuit, il prend machine.
Deuxième étape, les rivières sous frontière, ils ont été cachés parce que le fait jour jusqu'à ce que la nuit retombe. Ils prennent l'autre bus, ils ont en plus, 64 bus, ça pas qu'à prendre tout le monde. Ils prennent voiture privée, machine privée, ils font pas quoi avec eux-mêmes. Évidemment, ils font la nuit pour échapper à force de l'ordre bolivien. Et là, ils ont payé encore 400 et 500 dollars américains. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape là, bus là à voiture privée, ils ont déposé sous frontière Pérou. Ça fait trois villes, ça fait trois pays. Ils ont payé en 300 et 400 dollars américains. Ils ont tenu encore une nuit avant de continuer Golgotha. Quatrième étape. De Pérou, ils prennent l'autre bus pour aller sous frontière Équateur. Ils ont payé encore 400 dollars américains par personne. Cinquième étape. 64 Haïtiens sont arrivés dans l'Équateur. Ils ont tant de nuit à veiller. Tout le monde tête baissée, couché dans la rage. Youn sous l'autre. Yo prend bus, yo mette au kankou sardine. Bus ta fait 48 heures sous route avec yo, yo mené yo sous frontière Colombie. Et là, yo fait yo payer yo chaque 600 dollars américains. Si moun tankou grand moun. Route ça pas de facile. Son parcours très dur. Les arrivés Colombie, bus a déposé au Bolambé. Pendant que Bolambé a gardé un fleuve qui lie deux espaces, et puis il dit ça c'est le canal du vent qu'il a. Dans ce ça, seule façon pour sortir, pour accéder à l'autre étape là, c'est par mer ou qu'a passé. Et nek ka fait trafic yo, yo déjà là sous bateau y a tan yo. Ainsi yo rale kobe yo décidé yo bay yo chaque 120 dollars américains et yo fait 2 heures de temps sous la mer nan ti bateau que nous rele bois fouillé yo. Ils traversaient avec eux et ils arrivaient sous frontière Panama. Walter a continué pérégrination 64 Haïtiens. Les arrivés sous frontière Panama, ils ont touché la terre et là, gon guide, parce que c'est business à faire, guide là, Tanyo. Ils ont payé guide là 200 dollars par personne. Guide là commencé à faire route avec eux à pied. Après, encore 3 heures de temps de marche, guide là dit yo, moi fini, moi montrer nous route là. Ça n'a fait. Nous pas jamais tourner à droite. Toute route là n'a fait net, tout côté à gauche. Virer à gauche. C'est route là ça. Guide là prend 200, guide là prend 200 dollars par tête de bétail. Et c'est route ça, il prend chaque côté au virer, il y a un Y à gauche. Il y a un autre Y à gauche. Et c'est route ça qui peut mener au non espace qui est le premier camp des réfugiés au Panama. Mais faut me dire nous internaute, auditeur, téléspectateur, pour arriver dans le camp premier réfugié,
c'est là histoire point difficile. Marie Saint-Une. C'est un groupe monde. Ma femme Walter. Ok. C'est un groupe monde. Pour faire route ça, il y a 7 jours que a marché. Il a dormi dans la rage. Il a bain de l'eau. Il a mangé. Là-dessus, ils ont déchiré, ils ont déshydraté. Ils ont passé 7 jours. Il y a un groupe qui n'a pas marché, qui passe 10. Il y a un troisième groupe qui passe 12. Dans 12 ans, il y a 80% de monde qui est mort. Au mort, dirait le poète, où est ta victoire? Pendant 7, 10 ou 12 jours qu'il y a marché, haïtien frère nous a marché dans la gloire. Je traversais monde. Je traversais forêt qui dans pile bête sauvage. Ils sont pour la plupart, disons, ils sont entre ciel et terre. Et vous t'attendez cri bête ou bien bruit vent qui a frappé dans le feu et bois. C'est une aventure ça. Pendant un monde, il y a monté, il y a regardé la lune, il y a regardé le soleil, la pluie mouillée. C'est pendant un bois. Ils croisaient avec des voleurs. Lourdement armés. Mon premier groupe qui était entre 7 et 8 ans. Gros âmes. Ils ont violé les femmes. Sœur nous, avec maman nous. Ils ont violé les garçons. Frères nous, avec papa nous. Ils ont violé toutes les jeunes femmes qui ont joué, qui était entre 8 ans et plus. Ils ont violé toutes devant toutes 64 personnes qui ont cherché la vie. Ils ont pris tout le corps qui ont sur eux, ils ont pris tout le manger qui ont sur eux. Il y a pile dans eux qui criait, garçon ou femme. Mais femme dit nous, depuis l'ap sorti Chili, il y a une histoire déjà. Femme et garçon, tu marché avec condom, capote. Le ou barré avec Negio, il a dit Negio, mais capote. Il y a pile dans eux qui ne peuvent pas mettre capote. Il est obligé de faire comme ça. Triste réalité, direz-vous. Arrivé au premier camp des réfugiés au niveau de Panama, ils ont été accueillis par l'État ou des militaires panaméens. Après toute période de temps, d'humiliation, de vol, de viol et de déshumanisation. Mais que ça, ils ont quitté à Panama. Premier camp, il y a un kit qui est duré. Ben, saumon, sardine, pâte tomate, etc. Il a fait 22 jours dans le premier camp réfugié. De là, les militaires ont accompagné son petit bateau, ce que les bois fouillés, pour mener dans le deuxième camp réfugié dans Panama. Les arrivés, ils ont fait 3 jours dans le deuxième camp. Et au transféré par terre un antibus qui passait 24 heures sur route là avant pour arriver dans le troisième camp réfugié. Toujours frère nous qui a passé misère comme ça parce qu'il a cherché la terre promise. Arrivé au troisième camp, il a payé $100 US par réfugié.
Mais pas oublier, voler, te voler tout comme yo déjà. Pendant yo l'autre bois, yo cherché monter sous deux monde avec Guido, yo passé au téléphone, yo relé moun la kayo, yo dit yo pas gen cob, moun yo transféré cob bouyo. Et les a cherché cob ça. Côté OEA, moun ka prendre pour yo. Sous chaque $100, moun en prend $25 américains. Ah. Vive papa de Saline. L'arrivée dans le troisième camp, militaire panaméen, yo conduit devant tuile, avait dit barrage ou qu'on ouais fait yo. Yo que considéré comme un barrage. Yo traversé tuile, là au sautel et au tombé sur route. L'arrivée sur route ça, c'est un bus qui a des moun spécialisés dans voyage clandestin qui déjà là capitaine yo. Yo payé $50 par chauffeur pour chauffeur mener yo Costa Rica. Yo passons semaine Costa Rica. Yo t'attend parce que Costa Rica a un papier certifié pour permettre de traverser la prochaine étape là. Yo t'attend, yo t'attend, yo bail au papier. Et puis qu'on y a là, papier avec papier ça, ils ont mené aux frontières Honduras. Pour aller Honduras, ils ont payé $200 américains. De Honduras, ils ont pris un autre bus qui mène aux nos frontières Guatemala. Mais pas oublier, ils ont chaque des certificats dans mes mains. C'est l'histoire des 64 réfugiés haïtiens. À la frontière du Guatemala, yo paye un guide, encore un guide, qui conduit yo dans la frontière Mexique. Yo paye un frais de $70 et $80. D'après ça, yo expliqué à Scoop. Dans la frontière Mexique, yo paye chaque grand monde, petit monde, garçon, femme, ils ont payé $420 américains par personne pour déposer dans la capitale là qui c'est Mexico. Et ils allaient dans la machine privée. Tout le monde couché net à terre, plat à terre, dans la machine privée. Yo. Parce que ils ont organisé un voyage pour la police mexicaine, pas où ils sont. Les arrivés n'ont communiqué les papachoula. Ils ont passé 2 mois à obtenir documents dans papachoula que le gouvernement mexicain va le bailler. Ils n'ont pas payé un goût. Par contre, ils ont été bien accueillis par une organisation qui est ACNUL. Ces organisations sont des organisations de réfugiés qui baillent chaque haïtien $120. Et si son famille qui a plusieurs, yo bayo famille $300 américains. Après 2 mois de détention, yo mené yo un petit classe plus près frontière États-Unis. Ça veut dire sur disons au Texas. Maintenant zone ça relé Acuña. Yo accueilli par des militaires américains. Yo recevoir au nom centre de détention. Yo passé 8 jours dans Acuña. Sans manger. Sans brosser bouche. Sans baigner. Avec même la glace déchirée. Yo saisi tout ça que yo senti du. Comment tu es arrivé encore, Marco? Souspiante. Il n'y a tellement pas qu'à résister, il est indisposé. Il n'y a pas qu'à prendre ça de quoi. Après 8 jours de détention, il est transféré dans la prison Texas. Il est enchaîné pieds. Il est enchaîné mains. Ce n'est pas mes notes. Enchaîné comme des esclaves.
Ils l'ont transféré aussi pas gagner à ces prisons pour mettre au côté Apmené, ils l'ont transféré dans l'avion Georgia ou bien transféré dans l'autre prison qui est aux États-Unis. Dans ce groupe de 64 réfugiés, ils ont passé 2 mois dans la prison Georgia, ils ont un médecin 2 fois par jour et ils ont mangé, ils ont été bien traités dans la prison Georgia. Après Georgia, ils ont libéré les familles. Famille vient chercher au fond ID pour yo. Et je dis à 62 là-dedans qui devant la justice ou la guerre aux États-Unis, ou des papiers ou pas fait TPS. Mais il y a 2 autres que vous voulez retourner dans 64 là, qui est 62 parce que dans la prison de météo, il y a le goumet. Et dans la prison, l'autre est dans la prison. D'après témoignage, je le marquais. 0 tolérance. On va pour parler avec personne. On va pour garder chef yo tête ou fait pour à tête. Yo bon manger dans prison. Si manger pas bon pour un compte, yo ouvert pour ouvrir numéro compte en ba famille ou famille qui va voyer l'argent ba ou sous compte ça et puis souvent si mon pas manger dans prison manger au ba ou utiliser l'argent ou acheter manger. Vous faites vous sortir chaque matin pour aller faire sport. Vous allez manger à 4h du matin. Vous allez manger à 1h p.m. à 5h p.m. Voyage ça a coûté environ chaque 10 000 dollars américains dans le corps dépensé et dans le corps volé. Je vous dis à vue importance, premier groupe ça qui était passé là, si on refait circuit ça encore, comme la multiplié par 2, la multiplié par 3, parce que c'est le seul circuit qui te baille possibilité pour nous ça rejoindre le papier. L'autre monde qui suit, yo, pas suivre circuit, l'autre monde qui sont tout de côté, yo, c'est yo qui en bas pont. Et c'est le groupe moun ça qui arrive, qui fait qu'on est. Quand nous arrivons, tout le monde a dégagé pour arriver. Mais malheureusement, ils n'ont pas suivi Mbakwa, ils sont en bas pont. Et ce sont ces Haïtiens, ces réfugiés qui sont au nombre de 13 000 qui sont en bas pont. Et ils n'ont pas de papier. Parce que les gens qui sont en prison, ils n'ont pas pu retourner. Moun ki de tout campé au barré yo, y a voyé yo tourner dans tout pays, pas seul haïtien qui là. Des brésiliens là. OK? Des nicaraguayens là, des colombiens là, donc des cubains là. Donc, ça veut dire y a voyé tout moun ça retourner tout parce que yo pas suivre processus ça. Et c'est haïtien ça, ou frère d'action yo qui dans situation difficile et que depuis dimanche, yo commencé voyé yo tourner banou en Haïti. Et nous disait nous, il y a humilié nous. Mais histoire, 64 réfugiés haïtiens qui jouent la terre promise, reste moun yo, 9 000, 10 000 moun, qui en bas pour yo, 13 000 moun, yo dit, gen 8 000, 9 000 haïtiens, yo même yo pas qui est arrivé parce qu'il y a cherché une vie meilleure. Mais nous autres, nous sommes des haïtiens à part entière. Nous avons des autorités avec nous. Qui l'a avec nous dans le pays. Nous dit nous en démocratie. Nous dit n'a fait payer. Nous dit faut nous l'autre l'état. Nous dit faut nous l'état qui prend responsabilité citoyen qui a gardé pays à l'autre gens. Je dis à apercevoir des responsables, des monde qui a réfléchi. Tout d'abord, nous allons commencer par recevoir le sénateur, l'un des sénateurs de l'Ouest, ou le sénateur de l'Ouest en fonction, mandat pour qu'on finit, c'est le sénateur Patrice Dumont. Nous prenons le bal 10 minutes pour l'exposer sur question ça. Comment sent-il? Comment n'amener Shell comme professeur? Qui ça l'ouait pour payer ça et comment on peut arriver à solutionner tout au moins problème ça pour permettre nous de rejoindre dignité qui passait en papier et que nous prenons soufflette tout le temps, mais soufflette ça, son soufflette en plus, pour ce Dumont, bonsoir. Bonsoir, Olivier Pochon. Bonsoir, tout haïtien, capitaine de Scoop FM partout à travers le monde. Bonsoir, tout haïtien, qui haïtien tout bon.
Il y a plusieurs façons pour le monde aborder la question ça. Ou même, ou aborder la question de manière journalistique. Pour faire investigation, pour parler avec le monde qui vivent drame. Et sous son sous-dit là, parce que moi-même, tout, moi prends information, même pas qu'on est capable de faire de manière aussi profonde que vous-même. Moi, j'ai trouvé que c'est un travail remarquable à faire, pas gagner accent aigu pour moi mettre. Pour mettre tout ça pour te mettre. Compliment bel travail. Moi, t'as aimé faire haïtien ou qu'on est de ça qui passe sous planète là. Et puis, sous temps, Rome, avant Rome, de Carthage, la Prusse, peuple a déplacé de nord au sud, de l'est à l'ouest. Le phénomène de la migration qui a toujours existé. Donc, sous point ça, nous pas seul peuple qui plaidait marcher à le chercher la vie. Je vais vous donner un seul gros exemple. Toute recherche historique qui fait, qui côté peuple amérindien sorti, tout le côté nous y est, nous connaissons le Malien, le Zaragoa, nous connaissons Anacaona, nous connaissons donc tout chef indien, peuple qui côté sorti, tout le monde croit, c'est un de mer qui gagnait entre l'Asie et l'Amérique, là, le détroit de Bering. C'est par là qu'on partait jusqu'à que plus haut vin couvre.